fait rien. En effet, plusieurs difficultés, notamment celle de trouver un terrain pour les joueurs de rugby, étaient la préoccupation majeure des ministères des Sports et Loisirs de l'époque, son excellence Denis Kambay. Après plusieurs démarches entreprises par les joueurs, les ministères, les ministres des Sports, les ministres des Sports et Loisirs avaient pris la décision de donner la nette du stade Tata Raphaël aux joueurs des rugby. Cette demande ayant rempli toutes les formalités administratives, juste après le départ du ministre des Sports, Denis Kambay, l'ancien ministre, nous avons connu plusieurs complications en croyant pour continuer d'exercer nos activités sportives sur les 10 terrains concernés aux joueurs que nous sommes. L'actuel gestionnaire de stade, Tata Raphaël, M. Patio Panda, est allé saisir la justice afin de récupérer les terrains concédés aux joueurs sans motif valable et juste. Pendant que l'affaire est devant les autorités judiciaires compétentes, M. Patio Panda se met celle de prendre